des emplois qui se jouent, avec des familles derrière, des joueurs qui ont déménagé. C'est très très compliqué, il faut gérer. Normalement, c'est sûr que le terrain c'est une chose, mais on a beaucoup oublié le terrain, beaucoup discuté entre nous, puisque que ce soit les joueurs, le staff, on est exactement dans la même situation. On a vu aussi, on a rendu le rendu du tribunal, donc qui nous quand même nous a conforté un petit peu, mais il y a toujours cette crainte derrière. Bah, le chômage, tout simplement, faut pas se voiler la face. Là, plus on attendait de décisions, plus les effectifs étaient complets, plus c'est difficile de trouver un club, donc forcément on pense au chômage. C'est la réalité du milieu en ce moment, c'est qu'il y a une période des transferts qui est assez courte et voilà, les effectifs se font rapidement et derrière on prend ce qui reste et pour le coup c'est compliqué quoi. Au début août, trouver un club, c'est vraiment difficile. Vous savez pas encore mi-août où vous serez, à septembre c'est la rentrée des classes, il faut y penser aussi. C'est un chamboulement dans la vie d'une famille, donc tout ça, c'est à prendre en considération. Donc je pense que parfois certaines instances l'oublient aussi, que, encore une fois je le répète, mais derrière les joueurs il y a des hommes et il y a des familles. Donc on espère que tout ça va être derrière nous et qu'encore une fois que le football pour nous dans notre tête reprendra sa place.